peuple ivoirien. Côte d'Ivoire. On applaudit pour qui? On applaudit pour qui? La Côte d'Ivoire. On applaudit pour qui? Je vends mon maillot aussi à 1000 francs. Ça n'a plus de valeur. Je dois m'enlever ça. 3 étoiles. 3 étoiles. Désormais, inspecteur principal. Bravo, la Côte d'Ivoire. Bravo, les gars. Bravo. Vous avez fermé les bouches. Vous avez fermé les bouches des Africains, les gars. Je vous dis bravo. Je vous dis infiniment merci. Merci pour ce spectacle aujourd'hui. Merci, allez. Merci, c'est Adingra. Adingra. Putain, allez, quels sont même... Mon frère, tu manges quoi? Tu manges quoi, mon frère? Tes buts sont toujours... Même le but que tu as qualifié ton équipe. Moi, jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre ta façon de marquer tes buts. Aujourd'hui, mon frère, tu as encore fait fort. Tu as encore fait fort, le petit Adingra, de 22 ans. Petit frère, ce que tu as dans ton corps, dans ton sang, là, c'est Dieu seul qui connaît. Mon petit, tu es fort. Et encore une troisième, là. Le premier buteur, là. Son nom, c'est quoi, mon Dieu? Son nom, c'est quoi? Ça fuit dans ma tête. Mais j'ai dit, les gars. Oh. Oh. On dirait que c'est le Cameroun qui vient de remporter cette CAN. On dirait que c'est le continent qui vient de remporter cette CAN. Les gars, je suis fou de joie. Je suis fou de joie. J'ai fui les bruits. Parce que où je suis, là. Gars, je suis allé me cacher dans ma voiture pour faire cette vidéo. C'est grave dehors. C'est-à-dire que les Camerounais sont debout, on dirait que c'est le continent qui a gagné la CAN. Les gars, merci pour ce spectacle. Merci pour ce beau football. Merci la Côte d'Ivoire. Au moins, vous nous avez donné la joie. Vous avez enlevé la honte, je peux même dire la honte sur nous-mêmes, les gars. Vous avez sauvé même l'honneur du continent. Merci infiniment la Côte d'Ivoire. Ça reste dans l'histoire. Les gars qui organisent leur CAN, on les tape 4-0, ils remportent la finale. Du jamais vu. Du jamais entendu. Une équipe qu'on a repêchée, qui remporte. Hey! Nigeria, qu'ils rentrent, n'est-ce pas? Qu'ils rentrent. Putain! Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Non! Oh, merde, le mot ivoirien là. Non, je ne sais pas comment on va vous qualifier. Je ne sais même pas comment on va vous appeler maintenant. Quelle victoire, mon Dieu. Quelle victoire. Quel football. Quel jeu. Le jeu était équilibré, les gars. Tout le monde a donné le meilleur. C'est-à-dire que, merde, regardez vous-même, un football. Voilà ce qu'on appelle football. Pas les histoires qu'on a vues hier ou les autres. Voilà, merde. Où sont ces gens qui racontaient tous les jours? On ne fait que favoriser la Côte d'Ivoire. On a favorisé la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Les gars ont mérité. Quand quelqu'un mérite, quand quelqu'un travaille, accepté. Les Ivoiriens ont mérité leur victoire. Il n'y a pas que on a favorisé. Autrefois, c'était que l'arbitre, appelez-moi, comment on les appelle, les gars de Sadio Mané là, le Sénégal. Ouais, même le joueur là, comment on l'appelle? Le gars qui a insulté l'arbitre. Oh, vraiment, quel arbitre là? Est-ce que tu as vu le match de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? C'est que le match fini. Même les Biafrains partent s'asseoir. Je vois comment les Nigériens étaient dépassés. Voilà les gars, les Nigériens, donc les gars, pendant les poules, le Nigeria les a tabassés. Oui. Tout ça pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire avait un faux coach. J'ai dit bien un faux coach. MS Faye. Que Dieu te bénisse, papa. Que Dieu te bénisse. Pardon, les 100 millions qu'on demande, versés à MS. Pardon, payer MS Faye, même le double, même le triple de ce que l'ancien, le blanc, l'a touché. Voilà ce qu'on appelle le coaching. Voilà ce qu'on appelle un homme béni. Ça, c'est un homme béni. MS Faye. Ça, c'est un homme de Dieu. Ça, c'est un envoyé de Dieu. Quelqu'un qui est venu sauver, laver la honte, nettoyer. Hey! Seigneur, comment on peut, quel est le nom qu'on peut donner à ce genre de victoire, Seigneur? Hey! Je rêve. Non, je suis encore dans le coma. Non, peut-être demain, il y a encore. Oh! Putain de merde, quel football.
Côte d'Ivoire. Merci pour cette CAN. Merci pour ces moments, c'est un mois. Vraiment, c'était waouh. C'était waouh. L'ouverture, waouh. Clôture, là même la cérémonie d'aujourd'hui pour clôturer la finale, pour clôturer la CAN. Mouais. Vous avez valorisé vos artistes. Donc, en fait, c'est réussi. Votre CAN a été un succès total. Merci encore, président Ouattara. Vraiment. Oh, je ne sais même plus quoi dire. Même les mots me manquent. Tellement, je me sens comme si c'était... C'est-à-dire que la joie que j'ai, c'est, on dirait que c'est mon pays. Hey, Seigneur. Seigneur. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, donc c'est vous. Papa, vous avez mis, aujourd'hui là, vous avez pris nos bouches. Comme c'était fermé là, vous avez mis l'aiguille. Que le Camerounais qui peut encore insulter la Côte d'Ivoire là, pointe le doigt. Oui, Côte d'Ivoire. Non, désormais. Hein? Oui, vous êtes fort. Oui, quand quelqu'un est fort, il faut respecter. J'ai aimé cette CAN. Des beaux stades. Tout. Oh, vous avez vu, chez nous là, il y a les. C'était quel pays qui se plaignait là? Ou c'était le Maroc? Je me rappelle plus très bien. Aucun pays ne s'est plaint en Côte d'Ivoire. Bon, sauf si je n'ai pas seulement l'information. Oui, pays hospitalier. Pays d'accueil. Oui. Tous les étrangers qui étaient chez vous, tout le monde se sentait à l'aise. Oui, comme toujours, on ne peut pas organiser un événement de ce genre. Et il n'y a pas toujours... Oui, là, on comprend. Moi, je parle là de l'Algérienne là, qui est venue un peu voulant faire un petit désordre. Mais dans l'ensemble, je dis encore bravo à tous les Ivoiriens. Oh, mec. Quel est le mot quand on dit merci, on dit, vous avez dit que Yako n'est pas, c'est les condoléances. Il y a un mot là, vous avez dit qu'on appelle ça quoi? J'ai oublié le mot. Oh, pourtant les gars me parlent ça tous les jours. Quand on veut dire merci en votre langue là, c'est quoi là? Il y a un mot là, merde, ça fuit dans ma tête. Ouais, peuple ivoirien. Si un ivoirien me voit au Cameroun à partir de demain, salut-moi, ça m'a dit que Franco, c'est comment? Tu as colo directement, il te farote, oui. Je vais, à partir de moi, je sors au moins avec 50 colos sur moi. L'ivoirien qui me voit dans la rue me salue. Il dit comment, Franco, je suis ivoirien. Oui, mais tu me parles avec le ton ivoirien. Il ne faut pas que les Camerounais, voyez, vous connaissez. Pas qu'un Camerounais vienne là et dit que, oh, Franco, ivoirien. Dès que tu te pointes là, je suis ivoirien, gars, je te donne tes colos. Propre pour ta bière. Pour vous féliciter. Vraiment, la Côte d'Ivoire. Les gars, je ne sais pas. Dès que j'ai fini là, c'est le bois, vraiment. Oui, si vous voulez vous insulter, que nous on joue. Quand on joue. Donc, quand il ferme les rangs, tout, je gagne. Mais le genre de maison, vous pouvez regarder la maison. Yay! Quelle maison, mon frère? Le genre de Massy. On fait quoi à la maison? On regarde ça dehors, les gars. Donc, vraiment, j'applaudis encore pour vous. Bravo! Bravo! Vous avez fermé les bouches. Vous avez fermé les bouches. MS Faye. Toute l'équipe. Tous les Ivoiriens. Merci. Merci. Ciao. Vision Pro. Vision Pro. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ekounou, avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format, toutes les dimensions confondues. Vision Pro, tu restes mis. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. À un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Ekounou, à votre droite, et à 400 mètres, venant de Carrousel, à votre gauche. Numéro de téléphone, 672 30 37 85 697 39 27 28.